Compatriotes haïtiens frères et sœurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. C'est un plaisir pour nous rejoindre sur Channel Polan. TAC 509, tout haïtien connecté, dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Quand on a continué à porter information pour vous, on a continué à brasser l'idée sur tout petit détail qui a dominé l'actualité. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, dans le moment où on a parlé à la, tout j'ai fixé, tout j'ai braqué sous Guy Philippe à dossier Amnistilia. Eh bien, depuis après, Guy Philippe te soulevé question amnistie, t'as pral gagné Mossa qui vivait dans bouche plusieurs autorités dans le pays d'Haïti, ancien président, ancien opposant politique, diverses personnalités reprennent concept là et bali connotation pâle. Matin bonheur, gagné New York Times qui éclate en bombe dans la coupe pays d'Haïti. Quand elle t'a pral fait des révélations choquantes sous relation proximité ancien président Michel Joseph Martelly gagne avec gang, gagne avec bandit dans la coupe pays d'Haïti, contrôle Martelly vle gagne de conseil présidentiel transition et même dossier amnistie Martelly t'a soulevé pour faciliter gang yo, pour faciliter bandit yo bénéficier amnistie et retourner intégrer dans la vie sociale comme si yo pas de jambe fait peuple haïtien aucun mal. Nous pral ba ou tout détail puisque nous gagne André Michel lui-même qui rentre dans dossier amnistie et qui casse mettait dans main tout monde qui favorable pour question amnistie. Rete la détail yo a venir. Nous gagne dossier force multinationale là qui dans ron sat là. Hier, c'était occasion pour recommandement police et Kenya, moun ki pral rien pour contrôler force multinationale là pour yoté atterri dans la coupe pays d'Haïti côté gagne des séances de travail là qui programmé avec Maria Isabel Salvador qui lui-même qui c'est chef binu en Haïti qui sa cap cuit qui position conseil présidentiel transition dans tout ça ou pral gagne détail déjà. M'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter, abonner, activer petit cloche de notification hein, et comme ça, ou après connecté avec nous ou pas rater aucune non vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, jodi là n'a commencé émission, nous connaît déjà émission sur l'école, est pas vrai? Eh bien n'a commencé émission avec un petit coup instruction civique. Livre ça qui relé instruction civique et morale, compatriotes haïtiens frères et sœurs, pour une raison pour une autre. Nous avons retiré dans le système éducatif haïtien. Le bal encore, le bal est plastique. Pour qui ça? Parce que depuis à la base, ils ont assuré, ils n'ont pas formé des citoyens, mais ils ont formé des machines de pays. Vous comprenez? Pour qu'ils fassent travail là, puis bien pour eux à l'avenir. Eh bien, nous connaissons déjà l'émission sur l'école liée. Eh bien, nous allons faire petit quoi? Bien rapide, parce que c'est extrêmement important. Parce que gros chapitre là, chapitre 29, ça, je ne vais pas cacher de nous, c'est chapitre ça. La même de leçon, parce que gen 10 obligations là, ou pas ka rate youn. Ou rate youn, à genou, la même de leçon, y a vos copains dans ti kouen. L'autre, c'est comme ça l'école te kon fonctionne. C'est comme ça l'école te kon fonctionne. Et si nous suivons bien, génération et 60, 70 yo, 80 yo, en pile moun nan génération sa yo, génération 50, 60 yo. Le plus souvent, eh bien, moun sa yo, en pile nan yo se moun a karakter, en pile nan yo se moun ki sensible pou peyi, en pile nan yo se moun ki pare pou goumen pou peyi. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, voilà. Mais chapitre 29 là, mais problème nan, qui sa nou wè ki écrit? Le devoir civique. Qui sa ki devoir civique là? Nous pral aller rapide parce que faut nous getan rentrer dans tout point nou gen pou nou wè. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen vis-à-vis de l'État et de la patrie. Devoir civique en tant que citoyen ou bon devoir civique, c'est obligation gain vis-à-vis de l'État pays et vis-à-vis de pays en lui-même. Donc, nous avons ensemble d'obligations et obligation ça sous manqué youn là-dedans yo, eh bien remettez-toi en question pour qu'on ait est-ce qu'on sont citoyen tout bon. Nous avons une première obligation qui c'est respecter la Constitution, le drapeau et les lois. Automatiquement, là, on a déjà posé cette petite question. Oh, respecter la Constitution, le drapeau et les lois. Oh, Mounsa qui dans l'État, citoyen, oui. Mounsa qui dirige le pays en un moment là, citoyen, oui. Qui compte dans la Constitution qui prévoit le Conseil présidentiel de transition
pour gagner 9 moun. Pour un exécutif qui gagne 9 moun dans palais plus au gouvernement encore. Non, constitution là nèg yo gèt entendre yo passé l'en bas pied yo. Là nous pas ka parler de citoyen pour moun za qui dans l'état. Deuxième bagaille, drapeau. Respectez drapeau. 18 mai là, samedi qui s'est passé à la fête drapeau, 221e anniversaire commémoratif. Qui côté drapeau a traditionnellement nous confété à Kaye? Qui côté drapeau a te coude à Kaye? Qui est-ce qui te coude li? Catherine Flon. On connaît ça oublié. Dirigeant ça oublié bagaille ça. Kounia, drapeau a même dans musée Panthéon National, li pas ka fêter sur chemin ça pour ta au moins dit on pral déposer un gerbe de fleurs. Eh bien, qui côté drapeau a célébré dans la villa d'accueil, sous Boudon, dans la zone Gakyo? Est-ce que vous n'avez pas considéré Mounsaïe comme citoyen? Non, vous n'avez pas respecté l'attribut. Vous parlez de loi. Si maman loi pays qui se constitution, vous n'avez pas respecté les autres lois, les décrets, arrêté et production législative, etc. Vous pensez que vous n'avez pas respecté? Donc, déjà, là, n'a pas une idée, c'est pas citoyen qui a dirigé l'État, mais plutôt son paquet vagabond habillé, vagabond en costard, vagabond à col. C'est eux même qui a dirigé l'État, parce que là, ils ont déjà fait zéro barré dans la première attribution, ça. Deuxième obligation, voter librement aux élections. Là, déjà, faut que nous allons parler avec les États-Unis, faut que nous allons chercher de mon mulet dans l'OEA, pour nous dire, journée aujourd'hui, nous conscients comme peuple, nous conscients comme haïtiens, le nous voter, le nous choisir un monde, et bien c'est monde ça qui doit passer. Combien de fois yon fait élection dans le pays d'Haïti, et pourtant de OEA monte sous téléphone, ni, et dit président, et chef OEA, etc. Le monte, Jean-Edmond Mulet te fait l'autre relais. Allô? Oh, ou konon bagay, faut le résultat élection changer, oui, résultat élection yon pas carré comme ça. Combien de fois, hein? Ça me grave, oui. Dans tout pays, l'élection a fait, tout pays, tout dirigeant respecte tête, yo konnen élection, c'est l'État qui organise élection pour permettre à ce que la population choisit moun yo vle a voter librement pour élu moun yo wè yo senti kamene pays ya. Eh bien, en Haïti, depuis l'élection fait, bon, nous wè la, OEA tout récemment là, rencontré avec la Commission européenne, yo geta préparé loi électorale. Yo gen t'a préparé loi électorale pour nous préparer l'élection k'ap gen pour venir là, compatriotes haïtiens franchement. Ou pa gen t'a gen idée ou? Combien fois peuple a crié ouais fort ba yo Guy Philippe, yo vle Guy Philippe pour diriger pays là. Nous pa ou international la fermé oreilles yo, nous pa ou bouche gè yo parce que yo dit c'est pas nous gen droit diriger et choisir, c'est pas nous gen droit décider, c'est yo k'ap décider pour nous. Yo pa considérer nous comme citoyens. Et yon jou la jou, et jou sa, c'est nous tout qui pou kapet pour faire valoir droit nous, pour respecter ça nous gagne comme obligation, et c'est là ça toute bonne révolution a commencé. Compatriotes haïtiens frères chum, troisième obligation, payer les taxes. Parti ça va être fait mal, payer les taxes. N'a payé taxes, mais là je taxe ça pas retourner joindre nous bat, non? Il pas retourner joindre nous, parce que nous pas joindre service, l'État pas ba nous service. Est-ce que nous gagne courant? Est-ce que nous gagne de l'eau potable? Est-ce que nous gagne bon route pour nous circuler? Est-ce que nous gagne sécurité pour nous circuler dans le pays? Qui ça la je taxe nous fait? Président Jovenel Moïse, c'est un projet courant 24 sur 24. Il a assassiné le président 3 jours. 3 jours avant pour le président Jovenel Moïse, tu as inauguré la centrale Carrefour, tu as quitté pour le faire après. Il t'a quitté pour le faire et avant il assassiné le compatriote haïtien Frèchem. Et bien nèg yo assassiné président pas même gétan. Il pas même gétan inauguré centrale là. Jusqu'à présent, nous n'en blackout qui wol EDH, qui wol dîner pas, seulement faire l'argent gagoter l'argent et puis n'a payé taxes. Oui, nous payé taxes mais en retour l'État pas ba nous service. N'a avancé. Quatrième obligation défendre le pays en cas de guerre. Est-ce que Boakale a se défendre pays nous tout? Parce que si bandi yo déclaré nous la guerre, compatriotes haïtiens frères chum, faut défendre tête nous. Est-ce que Boakale a méthode Boakale a, est-ce que dans code d'instruction et dans livre et civique et moral là, est-ce que là compatriotes haïtiens frères chum, nous te respecté obligation pour nous défendre pays nous. En cas de guerre, bandi déclaré la guerre, nous défendre tête nous. N'avance. Cinquième obligation, s'instruire et se perfectionner. Faut que nous allions à l'école,
faut que nous pas faire connaissance nous, faut que nous apprenne plus bagaille, faut que nous perfectionner nous pour nous mettre ça nous gagner comme connaissance au service de communauté nous. Mais malheureusement nous ouais l'argent diaspora voyer dans pays là, leur prend $1.50 sur yo, c'est FNE, c'est Fonds National Éducation pour nèg yo et blanchir l'argent pour nèg yo, détourner l'argent pour nèg yo, gagoter l'argent. Sixième obligation, c'est respecter et protéger l'environnement. Grâce à Dieu, nous avons dit avec mes sapes qui l'ont, compatriotes haïtiens, frères et petit n'a avancé, petit n'a pas atterri. Parce que nous avons mes sapes, agent mes sapes, bon bataille, yo a mené. Quand tout le monde a violé le principe environnemental, yo. Moun kap coupé pied bois fait charbon, moun kap construit n'importe qui côté, nous avons mes sapes campé. Et mes sapes aller au-delà de l'attribution pour le camper sous canal pour le défendre. Donc là, nous avançons nous sous bonne voie. Nous gagnons septième obligation qui c'est respecter et protéger. Septième obligation, respecter l'argent et les biens de l'État. Bon, ça, on ne peut pas respecter. Ça, le galvo, on ne peut pas respecter. Respecter l'argent et les biens de l'État. Qui est? Qui l'est? Qui boit? Qui joue? Qui est? Et pas un exemple passé dans l'État. Et pas un exemple passé dans l'État. Bon, ça, là, compatriotes haïtiens, frères, nous, nous parlons d'affaires avec citoyens. Dans tête l'État comme dirigeant. Nous avons une huitième obligation, respecter les droits, la liberté et le bien d'autrui. Donc, si dirigeant a volé bien l'État, si dirigeant a détourné bien l'État, si dirigeant fait association malfaiteur pour voler la diaspora, bon, et ce citoyen, il décide, il lève un bon matin après les amzou, pour le braquer, pour le voler à fort, pour le pillo, etc., pour le tout yolan. Donc, ouais, depuis tête là, pas avoir tout quoi, pas bon. C'est ça que fait nous bataille, faut révolution en fait pour nous mettre bon monde dans notre pays. Et yo assurer yo que yo retirer instruction civique et morale là, yo retirer dans système éducatif nous pour ti moun k'ap vinn demain yo pour yo pas qu'on attribution ça, pour yo pas gen caractéristique ça dans yo. Vous comprendre? À plan yo, c'est tout ça c'est travail système non. Neuvième obligation, aider les personnes en danger. Ça nous connaît déjà depuis moun dans une situation difficile li en danger. Depuis nous aider, faut nous aider. Ça, c'est attribuer un bon citoyen. Et dixième obligation, c'est servir de juré. Dans tout procès pénal qui a fait, compatriote haïtien Freshem, et son obligation, si l'État, si la justice fait appel à vous, même en tant que citoyen modèle, pour vivre, hypothèque, ou pour faire partie d'un jury qui a gagné pour déterminer culpabilité ou innocence d'un individu, donc, vous supposez en tant que citoyen modèle pour aller participer, pour aller servir de juré. Et là, vous fixez par rapport avec ensemble d'obligations ou doit respecter comme citoyen haïtien qui constituait le devoir civique. Haïtien Freshem, ancien président Michel Joseph Martelly, est-ce que nous pouvons considérer comme un citoyen modèle, comme un citoyen? Il y en a qui passe dans la tête de l'État comme président paysan. Et je ne dis pas, Haïtien Freshem, c'est lui-même qui campé là, c'est non cap cité, cap cléoné, non, journal New York Times, comme moun qui gen relation à gang, relation à ISO, relation avec un paquet de bandits, et qui joue influence li là, pour arriver à contrôler conseil présidentiel transition. Eh bien, par rapport avec accusation ça, qui tombe sous de Michel Joseph Martelly, Martelly lui répond. New York Times te contacté, eh bien, qui ça Martelly dit? Martelly campé pour le dire, moi nié catégoriquement toute allégation infondée côté que m'tap cherché faire ingérence dans conseil transition. C'est pas vrai. Toute accusation ça yo, c'est des accusations politiquement motivées. C'est ça fait politique nèg yo a réglé avec, li pa rien de vrai. C'est menti a fait sous dôme. Donc c'est ça Michel Martelly le déclaré. Et étant donné que yo di yo rapporté New York Times que Martelly besoin contrôler conseil présidentiel transition, c'est pour le cas faciliter bandi yo gang yo jeune amnistie. Eh bien là on pose Martelly question sur dossier amnistie. Martelly dit: oh, je n'ai jamais eu de relation avec des gangs, pas jamais de relation avec gang et pas jamais grand ça même pas jamais faire référence avec question amnistie pour qui que ce soit, pas jamais demander amnistie pour bandi, pas jamais de relation avec bandi. Compatriote haïtien frère somme, si Martelly ba la vérité que vérité à suivre, mais si Martelly ba menti,
dans les Caraïbes. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, eh bien, Michel Joseph Martelly, nous gagnons PHT Kaline Balthazar. Eh bien, yo même, yo vraiment amer par rapport avec Jean Conseil présidentiel là vienne structurer là. Parce que PHTK yo même si bon moun yo te vle ki passe 2 ans comme coordonnateur li pa l'autre que Edgar Leblanc fils. Question pour yo tande, famille Lavalas pral font ti pascout. Pour yo tande Claude Joseph et De Smith Augustin pral font ti pascout. Pour yo tande et gagné comment il s'appelle déjà Louis Gérald Gilles à 21 décembre pral font ti pascout. Bagay la ba yo tête fait mal, yo pas d'accord, yo pété coquin. Liné Balthazar t'a participé dans l'émission, il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible bagay ça. Oui, c'est vrai, yo signé un accord entre yo, si un nouveau accord entre yo, mais bon dit nous, nouveau accord ça, pas gen moun qui supposé, pas aucun parti politique qui signataire, qui voye représentant en dedans conseil là, qui tenu pour respecter. Ça c'est ça fait pas ou a fait parce que nous même en dedans PHTK, nous connaissons seul conseiller présidentiel qui relè et Louis et qui relè Edgar Leblanc fils. Point boule. Eh bien, compatriote haïtien frère Chum, Martelly réagit. Mais quand tu bagarre le plus grave, c'est le fait que même nous, à time ça, li pral fè yon approche, li pral kreye yon proximité avec Martelly Izo, avec ancien chef USGPN, non? Et comment il s'appelle déjà Dimitri Erreur? Parce que je dis à vous considérer Dimitri Erreur. Qui te sécurité rapproché Michel Joseph Martelly, qui te chef sécurité Martelly à un certain moment. Joune jodi a Dimitri Erreur, ça, li se principal conseiller. C'est lui qui a coordonné l'activité gangizo, c'est lui qui a modernisé gangizo, qui a formé pour yon un groupe paramilitaire. Alors que yon déclaré Dimitri Erreur, pendant Martelly fait monter, li fait que le président. Eh bien, Dimitri Erreur, qui participait dans le scandale cargaison drogue, Manzanares, eh bien, bateau succès qui te vini, bateau succès oligarque, oui. Non, bateau succès, compatriote haïtien frère Chum, li bon volume drogue là dans son bagay, incalculable. Drogue mélange à sucre, sucre mélange à drogue, son véritable poisson casé dans bouillon. Et qui ça Dimitri Erreur fait à l'époque? Il utilisait machine police, machine officielle, il utilisait la police, il débarquait dans le douane, il vient prendre cargaison drogue. Il dit mettez dans machine yo, mettez dans machine officielle yo pour aller. Et il fait rapprochement en Dimitri Erreur, cargaison drogue là et il décrit comme plus gros trafiquant drogue dans moment que Haïti ba jamais connaît et il allié que le Dimitri Erreur, que le ISO 5 secondes avec ancien président Michel Joseph Martelly. À tort ou à raison, nous connaissons, compatriotes haïtiens frères, comment nous avons fait la République mal. Nous connaissons comment nous avons participé de façon par bien ou l'autre pour déstabiliser le pays et créer violence. Mais réalité, haïtiens frères, cause yon pas pitié dans la coupe pays d'Haïti. Et par rapport à la situation, ça, eh bien, comme faut nous combattre insécurité, faut nous combattre gang, faut nous combattre bandit, eh bien, hier, gagné déploiement. Déploiement a commencé fait. Hier, gagné recommandement police et Kenyana, moun sa yo kap gagné pour vin coordonner, pour vin organiser déploiement force multinationale, yo débarqué dans la coupe pays d'Haïti hier. Sous haute sécurité, l'armée américaine prend position, gros am yo nan men yo, yo déployé compatriote haïtien frère Chum pa caché di nou. Et c'était un aéroport international tout sen l'ouverture sous haute tension parce que pas oublier. Yo vin chercher autorité kenyan yo qui atterri dans la coupe pays d'Haïti. Nous gen rencontre jodi an la qui programmé avec dirigeant BINU, responsable BINU. Yo supposé rencontrer avec responsable dans la police nationale d'Haïti ou état-major la police nationale d'Haïti. Yo supposé rencontrer avec quelques hauts gradés dans l'armée d'Haïti pour regarder comment yo ka rapide avant 23 mai arrivé déployer yon calendrier, proposer un calendrier pour déploiement en fait. Kounye a compatriote haïtien frère Chum ou même qui intelligent faut qu'on pose cette question. Déploiement pral fait, ok, déploiement pral fait, pas de problème. Pas de problème parce que là, nous divisons.
Nous divisons. En pile haïtien a tant de déploiement, en pile haïtien a tant de force. Hier seulement m'a regardé matériel qui vini, chablende qui vini, j'en moun content. Sous tout réseau, moun yo commencé à partager vidéo, partager photo. Ouais, la police pral gen équipement, yo pral péter des bandits etc. En pile moun content. Quand ça tout grand pile réaction. Nous gen lieutenant Emmanuel Paul, compatriote haïtien frère sœur. Lieutenant Emmanuel Paul, lui-même, lui fait partie, et à un certain moment, il était dans l'armée d'Haïti, et lui connaît parfaitement bien ensemble de bagailles qui a passé dans l'armée. Est-ce que je dis là, honnêtement, et l'armée d'Haïti gagne part de responsabilité, lui, dans ce qui a passé là comme insécurité? Parce que il y a des gens qui disent c'est parce que la meilleure canni militaire pas jamais fait rien pour aider pays pour bailler la république en coûte. Est-ce que militaire quand on éclaire bon matin de propre gré de propre chef yo pour yo dire yo pral mettre sécurité pour yo dire yo pral bataille? Non, gros roi état major gè coordination qui supposé faite. Est-ce que force Kenya pral vinn résoudre problème insécurité qui là compatriote haïtien frère sœur rosé yo en pile? On nous attendait lieutenant Emmanuel Paul qui lui-même lui fait description de situation qui pral ba nous quelques petits détails et comme ça n'a plus ou moins fixé dans ça qui programmé dans ça qui préparé là qui pour fête dans pays là. En aller problème que nous gagne en Haïti, c'est un problème d'effondrement de l'état. Quoi que ou non situation côté que l'état effondré, c'est-à-dire système de contraintes diminué, donc on a besoin de plus de violence. C'est normal. Donc c'est dans ça nous est là, c'est que nous avons une situation où l'état li perdu monopole de violence légitime. Alors bon, on va dire ça n'a vivre pas insécurité, au moins les criminalités ou bien les banditisme tout simplement. Non, banditisme, criminalité, ce sont des éléments de l'insécurité, c'est-à-dire ou a besoin d'un insécurité à des monde qui a tenté prendre faire monde des vols, ou a besoin des monde qui voulait faire des règlements de compte et qui pral faire des crimes, mais en même temps tout ou a besoin et d'ailleurs doit dire des organisations et qui pral commencer prendre des dispositions pour bénéficier de systèmes d'insécurité. Et c'est là nous pral peut-être aborder point ça, c'est que problème là j'aime dire là son problème d'effondrement de l'état. Parce que qui ça que l'État? L'État, c'est en mettant en entreprise politique. Et ça fait par exemple, on peut dire que il y a un certain monopole que il gagne. Le terme monopole là, son terme surtout utilisé en économie. C'est que, par exemple, le monopole de la violence. Donc, il appartient à l'État. Aujourd'hui, qui ça n'a pas vivre là, c'est que groupe, nous, les bandits ou bien gang, en réalité, ce sont des entrepreneurs qui contestent le monopole et de la violence de l'État. Parce que eux-mêmes, tous, c'est des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire, yo gen capacité pour yo faire violence et yo contester monopole l'État. Donc, la preuve, c'est que yo occupé des territoires, yo, et en dans territoire que yo occupé, yo gagné en disposition que yo mettez pour yo gérer. N'espérez seulement que n'est pas tendu, parce que si y'a tendu, ou n'est pas dit que tu préfères être non ça, parce que c'est le plus bel. Entrepreneur de violence. Non, mais. Vous comprenez? En réalité. En opposition et. Non, c'est même pas. C'est que la définition, c'est que terme entrepreneur de violence, là, c'est pas moi qui ai inventé. Par exemple, il y a un professeur Bertrand Badi qui parlait, par exemple, pour tout groupe terroriste qui est dans Sahel, groupe. Et parce que ça a relé les groupes armés non étatiques. Par exemple, et je dis, sur le plan international, il y a des groupes armés qui sont pas des États, mais qui aussi puissants. Et même plus puissant que des États. Donc, à citer par exemple le Hezbollah au Liban et les Houthis au Yémen, c'est des groupes armés non étatiques qui ont une capacité pour, si nous regardons tout ça qui a passé sur le plan international, qui mettaient en difficulté même des États. Oui, mais avec la différence, il y a une motivation qui est capable idéologique ou bien doctrinale ou bien je ne sais pas tout, mais c'est pas la bombes ou mon. Moun bola kayo, moun. Bon. Sans raison, c'est pas la même. En réalité, toujours une motivation dans toute bagaille. M'pas pensé, et si monsieur nous gagne la rue, y'a pas de motivation. Y'a une motivation, naturellement, nous doit peut-être pas identifier motivation, ou bien tout motivation, nous doit paraître pour nous et absurde, mais y'a une motivation. La première chose, c'est que ça nous doit comprendre,
c'est que yo sait système que nous gagne là comme état. Je voulais retourner sous effondrement de l'état. Nous prenons l'indépendance en 1804, nous fait 11 siècles avec des malentendus historiques que nous pas bien temps et développer la matin qui va mener nous à un premier effondrement en 1915. Le nous effondrer en 1915 qui va bailler et l'occupation américaine. T'es une situation pas exactement même genre, mais pour certains monde. Par exemple, les cacos qui venaient du nord, leur arrivée Port-au-Prince, ils ont tellement fait des gars. Pour certains monde Port-au-Prince, cacos c'était bandit, c'était presque équivalent de Sanguin là, je dis, dans tête, yo. Même si, c'est pas la même situation. Mais même des motivations politiques. Non, bien sûr. Mais, dans la violence qu'ils exerçaient, donc, monde qui victime violence, pour lui-même, peu importe de motivation, c'est que lui ou être victime. C'est ça, pour lui, motivation, c'est la dernière chose qu'il va regarder. Donc, c'est peut-être la même chose aussi, je dis, là. Donc maintenant, on moun qui gagne. Oui, mais est-ce que M. Kako était dans violer moun baïza ou? Absolument. Non. À peu près même bagay. Dans la violence, même dans les guerres, par exemple, dans la guerre mondiale, et les soldats, yo, fin libéré en zone, yo violé moun. Comme si. Parce que violence, nan, li, j'aime dire, la violence est naturelle. Viol la traduit en sorte de supériorité, en sorte de. Il y a plusieurs raisons qui t'amènent à ça. Gen doit c'est des tendances pour moun yo assouvi comme si m'ta do des fantasmes etc. Donc ça veut dire la violence j'aime dire l'est naturel, c'est que c'est éducation, c'est le barrière qui discipline et c'est contrainte sociale qui fait comme si m'ta do tout le monde rentrer dans les rangs, nous comporter nous mieux que d'autres, donc c'est ça lié. Donc ça veut dire on a besoin de violence là et dans toute situation. Et on n'est pas en train, professeur, de justifier les mauvais agissements de nos bandits ici, pas du tout, non. De nos entrepreneurs de violence. on ne justifie rien, on ne saurait justifier non plus et l'injustifiable. Parce que, mais, en même temps, pour résoudre un problème, faut qu'on gagne en. Non, c'est une justement, faut, et en plus, et c'est pour le professeur Yves Dorestal qui te remet dit ça, il dit en matière intellectuelle, je ne dois pas aborder un sujet, il faut l'aborder sans état d'âme et sans pudeur. Ça veut dire, c'est vrai que ça fait mal, mais si vous voulez comprendre, si vous voulez résoudre, il faut que vous fassiez et vous êtes sous sentiment pour nous garder quelle est la situation. Et qui ça me voulait dire et tout, c'est que nous, l'aime dit son résultat, c'est que tant et si longtemps, conditions matérielles, ça y est là, déterminants sociaux, ça y est là, nous avons gagné le même résultat. Ça. Si nous pas fait et rien, et là, gagner ça aurait le dilemme stratégique, comme si le dilemme de sécurité que tout État a fait face, c'est que un État par définition il existait en opposition à d'autres États, c'est que voisins sous coteau là ils sont potentiels adversaires, sont potentiels ennemis. Donc vous supposez à design infrastructure de sécurité pour répondre à toutes possibilité ça yo. Or, dans le temps, l'État c'était pratiquement le seul objet de comme c'est le science qui les relations internationales. C'est que l'État en tant qu'entité. Mais aujourd'hui, hein, nous venons gagner, nous sommes parlé de acteurs armés non étatiques, nous sommes capables de parler des groupes multinationales, venons gagner d'autres acteurs qui rentrent dans le panorama aux relations internationales. Là. Donc ça veut dire le on état dans vision stratégique li a préparé sécurité li, en plus que li gen pour le garder voisin sous côté li yo, mais en même temps tout faut le garder qui phénomène qui gagnent dans monde là ou bien dans zone côté la évolue qui capable gagner répercussions sur lui. Par exemple le nous a prendre décision nous yo, c'est que faut nous dire tête nous, mais c'est vrai, OK, nous gen Saint-Domingue tout près nous. Donc, nous ne pouvons pas développer une relation belliqueuse avec ces domaines pour nous faire la guerre avec elle. OK, mais ce n'est pas seule menace qui gagne. Ça veut dire qu'il y a des groupes criminels transnationaux qui eux-mêmes cherché justement des États faibles pour intégrer, pour faire de bonnes affaires. Et selon un rapport de l'Agence des Nations Unies contre la criminalité et la drogue sorti en 2009, c'est que chiffre d'affaires criminalité transnationale, était 870 milliards de dollars en 2009. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que trafic de drogue, trafic d'hommes et trafic d'êtres humains, tout style de trafic, mais
pour trafic ça au fait qu'il y a besoin des territoires, il y a besoin des côtés pour passer, etc. Donc ça veut dire donc ces côtés jeunes faille là aller. Bon, si nous avons un pays qui est libre, qui a 360 km de frontières non protégées, 1770 km de côtes non surveillées, parce que nous pas défini moyen pour ça, c'est normal que nous ayons un résultat, nous ayons là. Et ils ont utilisé, sans compter les forces d'entropie internes, parce que société hein, en transformation, il y a 30 ans, nous étions 6 à 7 millions de monde, aujourd'hui, nous 12 millions de monde. Donc, transformation, ça, lit accompagné de augmentation de l'entropie, qui c'est le niveau de désordre qui a bien dans la société. Donc, si pas grand qu'une disposition qui prend, c'est que le problème a augmenté et parallèlement, le moyen pour résoudre le problème a diminué. Donc, c'est normal pour nous gagner, ça nous gagne là, je dis. Alors, nous devons comprendre ça. Est-ce que Jean-Monsieur nous a commencé à agir et il a agi qu'on est là? Par exemple, colonel Ribu parlait de stratégie d'encerclement. Est-ce que réaction ou action simultanée que qu'on a menée, par exemple, là, il a fait plusieurs attaques simultanées, est-ce que ça n'a pas fait partie d'un schéma classique tactique et même stratégique qui supposait t'as rien de monsieur Yo, de Moutankou, qui connaît, ça y a fait. Ok. Si oui, dans quel but? Bon, la seule chose que je suis capable de dire, c'est que malheureusement, et ils se sont montrés certaines fois très compétents dans ça à faire, malgré c'est l'effet nous dit dans la société. Mais dans Jean Yo Agi, j'en parlais de colonel Rebuc, tu parlais de stratégie d'encerclement. Donc ça Noël, c'est que premier bail il était essayé fait chercher gagner ça relon continuité territoriale. Ça veut dire pour raccorder toute base yon à l'autre. C'est-à-dire pour gagner possibilité pour déplacer de un point à l'autre sans que yo pas traverser un territoire que yo pas contrôler. C'est-à-dire yon continuité territoriale. Pour ça yo utiliser la baie de Port-au-Prince qui permet yo faire mouvement ça et gagner de l'autre route en montagne qui permet yo donc à n'importe quel moment yo arrivé en côté et puis donc on saisit yo là. Donc ça veut dire yo défini des couloirs pour avancer qui baillent une sorte de continuité territoriale. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, c'est que mais en même temps, en face, pas gagné qui disposition stratégique qu'a pris. C'est que, et moi, estimé à chaque fois, comme si nous minimiser le problème, non? En pensant que, bon, oui, ce sont des bandits. Et il y a une bagarre nous fait tout qui peut-être pas joue en faveur, nous, c'est que on désigne un coupable. Ok, finalement, c'est le gouvernement qui est responsable et c'est tel gouvernement qui n'a pas fait ce qu'il devait faire, etc. Okay, ou bien c'est les gangs qui travaillent pour tel gouvernement. Donc, nous allons dans la simplicité. C'est que nous dit et la facilité. Et la facilité. Une fois qu'on fait ça, c'est que finalement, donc, on attend que le gouvernement ne soit pas là pour le problème qu'il résoudre. Alors que le problème est technique. Certes, il y a des ramifications politiques, mais le problème est d'abord technique. C'est que faut regarder et en plus, le bon adversaire en face où, faut qu'on analyse le froidement, sans pas démoniser. Même si il y a des agissements qui sont capables de montrer que des agissements démoniaques, si on peut dire comme ça, mais l'on a traité ou traité avec comme un adversaire. C'est-à-dire, OK, voilà, mais qui ça l'a fait pour ne pas perdre lucidité. Parce que dès pour tomber dans le jugement, dans les bandits, OK, bien sûr, mais en tant que monde qui a réfléchi, il faut dire OK. Mais qui ça m'a gagné en face moi, mais qui ça a gagné comme stratégie? Donc, comment m'a répondre? Et qui ça fait yo arriver là, etc.? Faut qu'on sonde problème. Mais ça fait, moi, surtout, voulais parler de ça, la réflexion stratégique. Parce que réflexion stratégique, là, qui ça lié, c'est une juste compréhension du passé et aussi du présent, mais une lecture appropriée du futur. Parce que faut nous dire, tête, nous, comment nous faire arriver là? Et là, nous finissons dit comment nous faire arriver là, qu'on a, nous répondre une question, ça, pour nous poser une deuxième question. Comment on a sauté? Comment on a sauté là? Et là, nous finissons d'établir qui j'en a sauté là, qu'on a une troisième question pour nous poser. Qui ça n'a fait pour nous pas jamais retourner là? Donc, c'est ça la réflexion stratégique. C'est cette profondeur pour aller et du passé vers le futur en tenant compte de chaque étape. Là, autour dis-nous que, il y a une possibilité pour nous sortir là. Mais en même temps, tout dit-nous que, excusez-moi si m'anticiper, tout dit-nous que, puis quand c'est blindé,
c'est étranger au cabine là et que c'est au cabine résoudre problème dans pour nous. Est-ce que bien li pensé ou est-ce que c'est ça vous voulez dire? Rapidement oui, étranger au pas résoudre problème non, ça c'est clair. Maintenant pour nous temporiser pour ne pas dire que bon, pas la peine que Kenya vienne etc. Non. Moi-même, mais quoi que lors d'une situation difficile, même dans la vie normale, ou qu'on a une situation où besoin coup de main. Mais maintenant, c'est vous-même qui pour sentir problème ou gagner, ou comprendre problème là, qu'on a l'air de demander coup de main pour dire mais qui ça me vle. Mm-hmm. Parce que nous. Bon, premier ministre Ariel Henry te dit ça nous vle, ou coup de main robuste, on va comme ça me songer te dit. Bon. Pas mal faire des commentaires sur déclaration politique que le premier ministre a été fait, mais moi-même, le moment de qui ça nous voulait, ça voulait dire que, bon, on coupe main au bus, il n'y a pas détaillé rien. Bien sûr, et normalement, lorsqu'il y a une situation, j'aime dire là, c'est que, en fond, on rappelle historique rapide. En 1994, nous avons eu un problème institutionnel. L'État peut effondrer totalement parce que c'était un problème institutionnel qui était gagné. Les institutions étaient là. Il était juste gagné des difficultés entre l'armée et font coup d'État. Donc, mais la présidence, comme si toute institution était campée. T'es gagné juge et même le coup d'État à 91 ans, et général Cédras pas de prendre pouvoir à titre personnel, c'était juge qu'il était et qu'il était prêt pour être arrêté plus ou moins dans la Constitution. Ça voulait dire, nous étions dans une situation institutionnelle normale, malgré tout. Il y avait eu environ 22 000 et hommes de troupes qui étaient rentrés, des soldats américains, pour te venir faire ça, le retour à l'ordre constitutionnel. Mm-hmm. Bon, naturellement, ça se comprenait parce que. Et là, ça n'a pas de gagné gravité. Non, mais bien sûr, nous avons une situation classique. Classique, c'est que l'armée d'Haïti, en tant que l'armée, parce que normalement, les Américains vont venir, puisque l'armée qui est sous sol là, qu'ils vont venir imposer en situation qu'ils n'ont pas de voulu, parce que c'est ce que tu fais pour l'État. S'il y a pour retourner président, c'est que. Maintenant, les Américains ont pris les dispositions pour 6 au cas. Maintenant, il y a des négociations qui faites qui permettent que, bon, il y a une entente qui joigne, et militaires ont cédé et pouvoir là. Mais malgré tout, ils sont venus avec plus de 20 000 hommes. Mm-hmm. Et malgré 20 000 alors hommes, alors que ça nous était à moins de 10 000 hommes. Hein, pour l'armée. Environ 7 000 hommes. Environ 7 000, donc moins de 10 000. Justement. Mm-hmm. Donc, quand il y a là, le nous, en 94, malgré tout, ils vini, nous envoyer l'armée, nous n'avons rien fait pour consolider les acquis. C'est-à-dire, et nous étions un peu dans le sentiment, dans le sens que bon, l'armée t'a fait nous tort, donc nous craser l'armée, donc nous pas voulait tendre parler bail comme ça encore du tout. Même la police que nous créa, nous décidé de créer une police civile avec des grades civils pour nous retirer tout ça que rappelait nous l'armée, parce que nous étions dans comme si nous et dans l'émotion. Mm-hmm. Mais sans nous parler, nous compte que mais nous avons des menaces pour nous faire face. Et menaces pour nous faire face avec eux, peu importe qui ont appris les corps de défense et de sécurité, qui ont appris les polices, qui ont appris les gendarmes, qui ont appris le garde national, qui ont appris l'armée, mais faut qu'ils gagnent des moyens pour le faire face à problème ça. Mm-hmm. Voilà, compatriotes haïtiens fraîcheur, nous s'attendons tout détail lieutenant Emmanuel Paul lui-même l'itabay. Bon bah, qui c'est certain c'est que question insécurité, elle n'a pas de paramètres là-dedans. Et le fait que nous avons un pays qui n'est pas surveillé, nous avons un pays qui n'est pas contrôlé, donc tout le monde a cherché avantage. Tout le monde a cherché côté qui est bon pour eux. Comme on va l'expliquer, mon cartel drogue colombien, juste en Colombie, un cartel drogue qui est le Golf Clan. Je vous dis, il y a une ramification en Haïti, il y a une ISO qui a passé drogue pour lui, fait drogue ça arriver en Europe, fait drogue ça arriver aux États-Unis. C'est pas parce que le pays nous pas contrôlé. C'est pas parce que nous pas gagné et moun qui compétent dans question sécurité qui pour venir avec bon politique de sécurité pour gérer l'armée nous, pour gérer frontière terrestre nous, frontière maritime nous, frontière aérienne nous. C'est pas parce que nous pas gagné moun qui pense pays vrai. Si nous te gagné journée jeudi là, nous t'a tout problème ça, nous tout cassé tête ça. Non. Nous pas gagné moun qui fait pays dans tes pays. Nous avons pas qu'être voler, on pas qu'être à tout faire qui là, comprendre qui viennent soucier, qui viennent têter et puis qui pensait que toute bagaille tout va bien parce que c'est non savant yo et pas gagne moun k'ap mande yo compte, pas gagne moun k'ap attaquer yo, la justice pas poursuivre yo, yo assurer yo craser l'État. Oui, journée aujourd'hui on a assisté avec effondrement de l'État. N'a assisté avec effondrement de l'État.
On patriote haïtien frère Cham, nous gagnons André Michel. Bon, monsieur ça, il a deux guidons là, il profite et réagit sous question amnistie. Qui sont André Michel? Dit, m'appelez pour nous. André Michel, attention, pas d'amnistie pour les gangs. Ces criminels qui ont assassiné, kidnappé, appauvri et humilié des dizaines de milliers de familles doivent être traqués avec la plus grande rigueur. Le PM Ariel Henry et ses alliés politiques ont sollicité et négocié une force multinationale pour éliminer les gangs du paysage sociopolitique. Nous avons la conviction que le pays n'a pas besoin de ces voyous qui kidnappent, assassinent, violent et volent. L'État haïtien doit reprendre sa dignité et le monopole de la violence légitime en marchant sur les gangs avec le support de la force internationale. Les politiciens de tous bords qui cherchent à faire amnistier les chefs de gangs en échange de leur support pour les prochaines campagnes électorales n'obtiendront pas gain de cause. Le SDP salue l'arrivée imminente de la force multinationale après plus de 18 mois de bataille diplomatique et politique. Depuis octobre 2022, nous disons et répétons la même chose. Haïti ne pourra pas sortir de l'enfer des gangs sans une force internationale. Nous saluons et le patriotisme des membres du Conseil présidentiel qui ont finalement rallié notre position sur le dossier de la force multinationale. Li pa jam trop tard pour faire ça qui bon pour pays ou peuple attend force là. Voilà, ça c'est André Michel matin bonheur qui lui-même lui fait pour ça pour saluer et l'arrivée imminente de policiers étrangers au Cap Gagné pour déployer dans le pays d'Haïti. Donc compatriotes haïtiens frères et sœurs là et Jean Mounio qu'on dit pas gagne ou pas bois. Pas gagne ou pas bois parce que pas oublier m'te dit dès pour manger l'argent chango faut payer chango. Président William Ruto, li mange l'argent chango la paye chango. Li débarqué États-Unis là depuis le 20. Li gen tan siye gros akwa avec Coca-Cola. A vle di wè? Ba yo se give to give, mando on force pour Haïti, mando prend tête force. Ou vin États-Unis là m'pral chercher avantage pour pays Kenya. Nous pral chercher avantage pour non mais Coca-Cola pour nous pral faire pays ou bénéficier un paquet avantage. Et puis rive États-Unis vre sortant de ya, give to give. Bon ma bon, ou manje la je sang gros paye chango, ou te déjà doué kounya, yo a bali d'autres avantages. Donc c'est ça lié compatriote haïtien frère chum. Et nous pral tande intervention Widlin Pierre dans ça qui gen pour avec question et force multinationale là. Nous pral tande intervention Widlin dans ça qui gen pour avec déploiement question et conseil présidentiel transition hein compatriote haïtien frère chum parce que c'est le moment ou jamais pour nous traiter de ensemble de dossiers extrêmement importants pour pays nous qui ca aider la république qui ca aider peuple haïtien donc on nous attendre ensemble avec qui position Widlin dans dossier ici là on a m'a parlé avec même dirigeant du bureau qui fait compter mon gagne plusieurs partis politiques qui aider qui là dedans prend modèle canal là prend modèle canal là pour nous mettre objectif que nous gagnons avant sentiment pas nous avant même pour vivre pas nous parce que faut nous prêt pour nous mourir pour payer nous même sans 107 nous te faire c'est vrai n'a prend coup n'a habité n'a pleuvé parce que 107 nous c'est pas décider de décider le bon jour où y a des batailles et puis y a pris l'indépendance. Non, y a des propos. T'as voulu prendre exemple la Greta Pierro. Y a perdu bataille Greta Pierro. Le dessaline ne folle avec toute la terre. L'islam indigène qui était avec eux. L'idée dit si nous qui voulons vivre en femme et garçon libre, mettez bon côté. Ça voulait tourner l'esclavage. Y a même sorti à jouer et colombe là au dehors. Eh bien, on va considérer si matin qu'on considère que va parler de lui. Mais majorité dans yo ou bien tout te campé pour yo te boumer bon côté papa nation pour yo te faire nous libre jodi a ça veut dire c'est dans l'union parce que pour nous te gagner des bandes sang yo te obligé faire dépassement tout est noir comme noir mulat
même petit blanc, les petits blancs, ça veut dire qu'on est les petits blancs, t'es quoi que nous devons vivre libre, mais pour nous vivre libre, faut que nous fassions et faut que nous bataillons pour ça, parce que son droit, liberté, c'est droit, c'est ça que fait, modèle ça veut être tracé pour nous, qui fait nous toujours connaître, vocation nous, c'est liberté, et faut que nous bataillons. Pour nous toujours être libres, peuple haïtien. Mais pour nous être libres, parce que nous connaissons, depuis après 1804, pour bataille, qui a mené, pour nous remettre nos chaînes. Les nous retirer chaînes d'esclavage, nous avons mis nos chaînes dans l'esprit. Nous avons bataille, nous toujours à mener. Faut que bataille ça continue à mener. Pour nous casser les chaînes, pour nous libérer Haïti. Parce que vocation nous libérer, c'est liberté. Pour nous libérer Haïti, faut que nous prenions un pays qui est juste. Faut que nous percer canal justice là, parce que canal vient n'importe comment nous sévole. Faut nous percer canal justice là. Non, son national, bien son présidentiel, son Jean-Charles Duhigel dit la l'indépendance est éphémère. Ça le droit à l'égalité. Ça veut dire faut que l'égalité dans le pays à lui fait partie de s'annuler. Faut que nous bon pays qui juste, pour nous bon pays qui juste. Faut ensemble nous bataillons pour justice pour nous percer canal là, pour nous percer canal éducation, parce que tout intervenant qui parlait avant nous là, il parlait de question éducation, éducation depuis nos familles, éducation l'école, éducation nos sociétés nous, c'est éducation ça que pendant qu'il a éduqué nous, il y a pas pour nous qui est nous, il y a pas pour nous valeur nous, parce que c'est valeur par nous qui identifie nous comme un peuple unique, parce que oui papa ici nous c'est un peuple unique, et c'est là oublier que nous sommes un peuple unique, c'est ça qui fait notre marché acheter, notre marché copier, qui fait oublier qui est souillé, et notre copier, notre mal copier, qui mettait nous dans la situation côté nous y est là, journée aujourd'hui. Oui, nous toujours gagnons, les nous qui combattent nous, mais en pile fois, nous-mêmes entre nous-mêmes, c'est nous, avec nos frères, avec son mieux. Je ne parle pas pour prêcher négativité moi-même, mais il faut qu'on réalise tout. Faut qu'on dise aujourd'hui, nous là, pour nous défendre le pays, nous, pour nous dire, nous ne sommes pas dans la division encore. Parce que la division profite, les nous-mêmes, il faut que nous fassions un dépassement pour nous quitter le clivage, les nous finissons construire le pays. Et puis, nous avons gardé. Parce que, depuis nous sommes construits pays, nous construisons une nation. Parce que, j'ai fait en 1803, congrès de fait là. Nous devons faire un congrès. Parce que, depuis nous qui pensait que le congrès a été échoué, parce que, à travers le congrès de 1803, ils ont dit nous devons construire l'État, mais nous ne pas construire nation. Qui s'est empêché de construire nation? Parce que, c'est même ça nous sommes dit nous là. Valeur nous, nous ne pouvons pas chita sous valeur ça, pour nous devons construire. Yon pays pour nous dire, mais ça qui est haïtien, mais ça qui fait mal haïtien, et ça qui fait mal haïtien, ou est fier de lui, ma boule pour lui, ma lutte pour lui, tout côté me passe sous la terre, parce que nous c'est yon peuple fier, et yon guérir, parce que pile fois yon compte ça que nous-mêmes, nous connaissons, parce que en pile fois, nous généralisons, yon haïtien qui fait yon mauvais bagaille, nous dit haïtien, vous t'arrêtez, faut que nous sortions dans la généralité, yon moun qui font bagaille, ils sont mauvais moun, mais c'est pas parce que l'haïtien qui fait fait un mauvais bagaille parce que lui a montré nous pour nous dire nous depuis nous guillons et tinec de raïnègre et puis nous poil et puis nous prenons ça la marche avec pour nous trahir l'autre pour nous goûter à l'autre pour nous diviser à l'autre parce que nous avons pu nous répéter on a ici qu'à mettre tête ensemble seulement là yon compte yon bagaille yon pas qu'à mettre tête ensemble pour nous faire yon bagaille ensemble et bien on s'en mette tête ensemble là nous tous ensemble. Nous sommes mettre tête nous ensemble là pour nous percer un canal pour porter de l'eau aujourd'hui. Nous sommes construits un canal qu'on y a l'île de temps pour nous camper, pour nous dire nous prenons construire pays nous. L'île de temps pour nous dire drapeau Catherine Flout écoute pour nous en 1803, l'île déchirée et c'est nous pour écouter lui. C'est tout Haïti qui vous mettez ensemble pour écouter drapeau Catherine Flout et vous mettez femme mieux surtout. Nous connaissons déjà le rôle nous. Faut que nous continuions à jouer le rôle nous. Sous le but, ça m'a salué. Et ça, Annie Allaire qui prend un mauvais coup dans même nous, même dans le qui t'a collé tes corps pour te faire et paysans jouer une machine agricole. Même ici, on pousse encore dénoncé, ils remettent tout malgré les filles, ils tout maillot, ils remettent nous tout comme et puis ça fait, ça a aussi j'en déprimé. Mais ma tout, je dis à. Pas découragé, t'es toujours gagné très dans mitan nous, t'es toujours gagné conseil dans mitan nous. Mais 6 ans 7 nous, pas t'es connu qui ça a été vlé, 6 ans 7 nous, pas t'es un objectif clair, nous pas t'avons indépendant aujourd'hui. Parce que tout le monde qui gagne un objectif,
abandonné par une option pour vous. Mais pour nos batailles, ou pour les qui sont voulés, ou pas abandonner. Ou à prendre vous, ou à biter, ou à tomber, ou à lever. Tout haïtien, femme de pour garçon, femme, moi nous réveiller le dernier temps, ça y est. Et je suis venu saluer docteur Bertrude Albert. Je salue Nibouri qui était sous canal là avec moi. Je salue mes amis, docteur Nikita, toutes femmes Haïti pour à l'étranger, qui te mettent mes. Je ne sais pas si tout le monde, mais je salue le courage. Je dis spécialement, je salue parce que je dis à nous faire sentir toutes ces Catherine Flon. Toutes les femmes qui sont là, qui voulaient participer dans la politique pays, qui voulaient nous entrer dans la politique parce que moi, bien on a avec Mayo, parti politique et des souillons. Faut nous pas entrer dans la politique pour nous venir gonfler chaise, pour nous mettre plus dans la salle là. Faut que nous politiciens nous voulons. Faut que nous retournions pour nous apprendre l'histoire. Nous, parce que femme de l'histoire, femme de goûter pour l'indépendance, femme qui est pas yo, yo capoté. Pas venir gonfler salle, pas venir faire foule pour nous. C'est pour nous continuer. Bataille, tant pour femme, sans cette nous, clair et rose, ça n'y peut l'air, t'es fait. Pour place nous, oh, c'est pour place nous. Place pour cela, oh, c'est lui doit nous, parce que nous gagnons droit. Jean-Madame Samoud de Dille, nous avons une bonne femme qui mourit déjà pour nous gagner droit. Doit nous gagner aujourd'hui. Je dis, faut que nous camper pour nous jouer droit nous. Je dis, faut que nous camper pour nous servir pays nous. Je dis à Haïti, maman nous, besoin nous toutes, femmes de nous garçons. Haïti, toute couleur, toute plume. Tout plus mal, parti politique yo, fait dépassement en l'île, nous n'y a qui là, neuf pour nous qui là. C'est une belle occasion nous gagner, pour nous écrire nous dans l'histoire, pour nous te dire Haïti t'es à genoux, il y a plusieurs groupes qui sont sortis dans partis politiques différents, mais qui te connaît d'abord, yo c'est haïtien, qui te connaît d'abord, faut que vous mettez Haïti avant tout, yo te battre ensemble, yo te mettez Haïti recampé sous deux pieds. Alors, moi voulais nous-mêmes, qui chita là, c'est pas aujourd'hui à nous mettre nous chita là, avec continuer à nous nommer nous, pour nous faire nous sequelles, nous sortir là, nous oublier. Nous tous qui là, c'est haïtien. Nous tous qui là, qui était là, parce que nous avons dit qui parlait. Nous, ça qui pas parler, qui pas parler, parce que nous avons dit qui rêve pour aller tout. Mais pendant là, vous me voulez. Parce que n'est pas quand on passe sous la terre, on est toujours haïtien. Et l'odeur, c'est la 60 plus haïtien. Parce que vous me dites ça, dit là. L'odeur, vous êtes toujours plus haïtien. L'odeur, dans nous, là, nous tous ces mêmes. C'est là, ça a plus fort senti que vous êtes haïtien. Mais l'odeur, nous, créons, je vous parais, pour vous fier. Pendant là, avant de décider d'aller, c'est droit qui court. Avant de décider d'aller. Dans le quartier, quand on était, dans l'organisation, ou militaire. Comportons-nous tant que nous haïtiens. Suivez-en cette nous. Suivez l'exemple qui est tracé pour nous. Pas tant que chaque 18 mai pour nous, c'est haïtien. Pas tant que chaque 18 mai pour nous sentir vibration. Faut vibration. Bon, on est à pays, ça y est là. Nous besoin vibration, ça, chaque jour. Nous besoin bataille, chaque jour. Parce que Haïti pas péri. Haïti pas péri. Parce que nous, là, toutes jeunes femmes et jeunes garçons, ça y est, qui là, nous présents là, Haïti, c'est maman nous. Parce que, et là, tout le monde, on sentait qu'il fait me frémir. Yon de vos cap santé. Haïti ne pleure pas. Haïti refait tout maquillage. Mais non! Et oui, Haïti pas doit crier. Parce que, guéri, ancêtres qui te créé, là, te créé le bourreau. Yon te perdu du sang. Nous te perdu un pile sang. Combien? Si Haïti démaquillé, c'est nous tous qui là, c'est tout Haïti qui démaquillé. Alors, il a le temps pour nous décider. Bien, maman, nous, Haïti, propre-t-elle, maquillé-elle, pour nous mener à la place, dans le concert des nations. Parce que Haïti, au grand plat, parce que nous, c'est maman liberté. C'est nous qui montrer, qui dit, c'est nous qui te dit, et c'est nous qui te faire, qui dit tout le monde, et distinctement, ouais, vivre libre, sous bout de terre, sous la terre entière. Et nous te pouvons, papa, nation, nous te pouvons. Alors, levez-vous, levez-vous, campez, campez aujourd'hui, pour nous défendre le pays. Et voilà, compatriotes haïtiens fraîcheurs, nous attendons Wilvin Pierre qui lui-même est intervenu sur question politique, sur question tête ensemble, solidarité qui supposait faite pour avancement paysan, pour avancement et peuple haïtien. Donc, je ne dis en plus que jamais, nous connaissons la réalité dans traverser dans le pays. Et ça qui vient là comme problème, ça qui vient là comme tête fait mal, c'est nous tous ensemble. C'est nous tous ensemble qui supposons camper. Pour nous résoudre, c'est nous tous ensemble qui supposons camper, pour nous mettre mais ensemble, pour nous faire faisceau, pour nous arriver à jouer une solution. Solution n'est pas de sortir dans le ciel, solution n'est pas de bloquer le bail, solution n'est pas de bloquer le potel. C'est nous-mêmes haïtiens qui pouvons prendre responsabilité.
responsabilité ça l'engage, m'y engage, li engage nous tous comme citoyens. En tant qu'haïtien, et pas sans raison, m'vin avec obligation pour qu'on ait qui obligation gagne, qui part de responsabilité gagne. Et fok bataille, fok li fait. Compatriote haïtien frèchèm, et bon, kozé yon en pile dans le pays, kozé yon en pile dans menou. Et dans la question du conseil présidentiel de transition, jusqu'à présent, et pour qu'on ait une nouvelle sous élu, le grand élu, moun ki rive leve jackpot lan la mayol lan, parce que grand pile comme kap bay la terre pour poste premier ministre, et oui, qui est comme kap bay pour poste premier ministre, en pile influence politique, en pile écoute ba kap bay tout en bas en bas, tout moun besoin, c'est ministre pa yo, c'est moun pa yo, reprendre, c'est gouvernement pa yo, faut que le contrôle gouvernement. Donc, situation compliquée, un peu difficile dans le conseil présidentiel de transition. Mais ça n'a pas empêché que nous-mêmes, nous continuer à inciter, soulever, calléger pour comprendre que journée aujourd'hui là, nous avons travail pour nous faire, nous avons engagement pour nous prendre, nous avons bataille pour nous mener, pour nous retirer Haïti côté lié là. Haïti Frèchèm, nous allons finir l'émission. Et rendez-vous, nous connaissons. Rendez-vous, nous avons rendez-vous dimanche 26. Et pour nous al porter support nous pour nous al porter solidarité nous bayon pour femmes qui n'ont situation difficile pour femmes vulnérables capitaine pour nous aider yo capitaine pour nous loger mais bayo qui pensait nous oublier yo qui pensait pas gen moun k'ap penser avec yo pas gen moun ki songe yo et bien comme d'habitude j'en nous toujours fait nous toujours penser avec yo et bien dans occasion fête demain en Haïti hein, nous praler pour nous regarder comment nous k'ap passer un très bon moment avec un groupe de femmes, il y a près de 200 femmes qui ont réuni pour nous passer un très bon moment, pour nous manger ensemble, pour nous parler ensemble, pour nous faire travail citoyen, devoir civique, pour nous inculquer, et pour nous continuer et faire ça, nous qu'on fait le positif. Donc, pour faire l'arrivée possible, pour activité arriver, réaliser, pour nous arriver à atteindre l'objectif, nous, qui c'est supporter, yo. Donc, et support, li inconditionnel. Support, li vraiment important pour nous avancer. Donc, ou même qui voulait contribuer, qui voulait participer, donc, on a toujours les mecs dans le numéro émission 3896, 3819, pour Yannick. Mais qui ça m'a baillé, mais comment vous voulez participer avec ou Ania dans le projet là. Donc, c'est là, on a mis un bout dans l'émission pour aujourd'hui. Hein? C'est un véritable plaisir pour nous partager ce moment-là. Restez connectés à la chaîne pour cette programmation. Hein? Rendez-vous à l'occasion dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt. Haïtien, ou remè pays ou, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf s'il le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, mais chez Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras la balle et pays, nous bras le fait des bâches. Même Yannick l'a même voix.